C'est pour le meilleur et pour le pire. En fait, la parole se popularise, tout le monde peut le faire. Et donc, forcément, il y a des trucs qui sont pas géniaux. Mais parfois, il y a des trucs que je trouve assez fascinants. Je veux dire, je sais pas si vous voyez qui est Hugo Décrypte. Ah oui. Mais le type, il a commencé tout seul dans sa chambre. Aujourd'hui, il a 1 million d'abonnés. Et il touche plus les jeunes. Il fait des histoires chez les jeunes dont nous, on rêverait. Donc, j'essaie de voir les trucs positifs et de pas faire le vieux con. Parce que moi, quand je suis arrivé à l'RTB, il y avait ce truc encore de se dire, on regardait YouTube et tout, et les gens se moquaient de YouTube, en disant, ouais, c'est des gens mal éclairés dans leur chambre, c'est nul, etc. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des trucs sur YouTube d'une qualité mais absolument inouïe. Et donc, moi, j'essaie de me concentrer sur ça, et honnêtement, je trouve ça même parfois très inspirant de voir des gens qui ont commencé dans leur chambre tout seul et qui font des programmes aujourd'hui, franchement, que je rêverais de faire, quoi. Donc, voilà, je me concentre sur eux, et puis parce que ceux qui ont les autres, je ne regarde pas. Mais vous pensez que YouTube ou ces réseaux sociaux peuvent prendre la place de la télé ? Bah, ils l'ont déjà fait en partie. Ils l'ont déjà fait en partie, clairement. Moi, bêtement, je ne sais pas vous, mais moi, mon temps de télévision par rapport à quand j'avais 15-20 ans, aujourd'hui, la télé, à part les JT, je ne regarde presque plus la télé. Par contre, je passe beaucoup de temps sur YouTube. Donc, je pense que ça l'a déjà fait en partie. Et que la télé va devoir devenir non linéaire, comme on dit, donc ça va être un peu fini le fait de se brancher à 20h50 ou 20h15 pour regarder, et on va tous regarder quand on veut. Mais à nouveau, l'information est un peu épargnée par ça, parce que l'information, tu as envie d'avoir l'information du jour, tu vas pas si tu la prends avec 12 heures de retard. Donc c'est pour ça que je crois que les rendez-vous d'info, 19h30, 20h, 19h, ça reste un peu épargné par ça.